Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 13 de Mass Effect. Il est quelle heure? Je sais même pas. Il est 14h11 et on est le 21, non? C'est ça, le 21 septembre 2014. Et je suis sur mon nouvel ordinateur, évidemment, je suis trop content. Donc, je sais plus du tout ce qu'on faisait. Hein. On a parlé, je ne sais plus. Alors, quand je pense... c'est bon. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Ok, au revoir. Kalanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Merci. Je dois y aller. Oui, je dois y aller. Je vous en prie, mettez un terme à ces attaques. Oui, je m'en occupe pas. Donc la dernière fois, on s'est arrêté là. On avait... Est-ce qu'on peut aller là? Non, pas. Bonjour. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des guettes? Oui. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Morts de faim? Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de Varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle alpha, un énorme Varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. J'ai tué le mâle alpha. J'ai tué le gros Varenne. Je vous laisse vous charger des autres. Formidable. J'organiserai une battue dès que les guettes ne constitueront plus une menace immédiate. Payez-moi... Ouais, allez, un peu de pragmatisme. Filez-moi ces crédits. J'ai des choses plus importantes à faire. Oh la vache. Bien sûr. Je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Waouh. Pragmatisme plus deux, ouais. Ok. Votre aide nous a été d'un grand secours. Mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Là. Oh la vache. Dégage, dégage. Ah, décryptage. J'adore le décryptage, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, trop facile. Alors, en regardant celle de plus près, vous avez découvert quelque chose d'étrange. Oh la vache. On a livré pour plusieurs mois des rations humaines dans un monde inexploré du secteur voyageur. Les informations ne sont pas claires, mais il semblerait que la cargaison ait été droppée quelque part dans le système Amazon. Très bien. Bon bah go, système Amazon, ouais. Ouf, j'ai tellement de trucs à faire que je m'en souviens pas du tout. Ok, il y a quelqu'un à parler, donc là c'est là d'où on vient. Beau boulot, dites donc. Ouais. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accus, on n'est pas tiré d'affaire. Visez-moi ça. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faidan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Cool. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à me démerder pour brancher ces accus et la colonie aura de l'énergie. Ouais. Bon, on finit des quêtes là, on est pas mal. Toi, j'ai fait tellement de trucs. Hein. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de parler. J'ai une pénurie d'eau sur les bras. Besoin d'aide? Je peux peut-être faire quelque chose. Le local technique a été le premier bâtiment à tomber sous contrôle Get. Trouvez les conduites et rouvrez l'arrivée d'eau. En attendant, la colonie est à sec. Je pourrais apporter de l'eau. Mon vaisseau est à votre disposition. Je pourrais vous apporter de l'eau. Cela ne résoudrait pas vraiment le problème. Sauf si vous comptez faire des allers-retours jusqu'à la fin de vos jours. Nous devons être autonomes. Ok. Personnel, tiens. Parlez-moi un peu de vous. Non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Aidez-nous si vous voulez, sinon laissez-moi faire mon travail. D'accord. Je dois y aller. Bonne chance. Colon. Merci pour le coup de main. Ce qu'il faudrait, c'est prendre les armes. Je ne suis pas une tireuse d'élite, mais je vais faire de mon mieux. J'aime bien, c'est qu'ils sont postés là. Premier plan, c'est super dur, pas trop caché. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir? Donc là, on a fait les draps. Ah, je t'avais pas vu, toi. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que j'ai est à votre disposition. Ok, tiens. Montrez-moi ce que vous avez envie. Enfin, tu peux te vendre, quand même. Avec plaisir. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose à votre goût. Ouais. Alors, c'est beaucoup trop cher. J'arrive pas à avoir de sous, bordel. Allez, bon, on va commencer par vendre, on s'en fout. Ah, je vais essayer de m'équiper, ce que je peux pas équiper, je vends. Allez, on va faire ça parce que c'est un peu casse-nouille. Ah, celui-là, il est moins bien. Ouais, t'as pas grand-chose, mais il est moins bien. Il est carrément moins bien. Ok. Donc là, c'est port d'armure médium, hein, je crois, ou je sais plus. Lourde, c'est écrit, forcément. Dommage, ce serait quand même pas mal. Bon, protection. Ah, pas terrible ça. Qu'est-ce que je peux faire? Accumulateur 1. J'ai quoi? J'ai accumulateur 2 déjà. Les accumulateurs sont dotés d'émetteurs. Ok.
Oh ! Intégrer dans une combinaison surveille les fonctions vitales et diffuse des doses localisées de Medigel afin d'accélérer votre guérison. Ah, c'est bien ça ! Ah ouais ! Je regarde même pas les autres. Bon, Ashley, qu'est-ce que tu as ? Ah, faut que je te stuff, toi. Ça, c'est moins bien. Allez, on va te mettre des trucs. Le capteur, mode d'arme de combat. Au combat, très bien. Le deuxième. Tu fais quoi, toi ? Perforant ? Allez. Voilà, on va te mettre du perforant. Donc, ça, c'était moins bien. Là, il n'y a rien d'autre. Le combat 2. Et on va faire de l'anti-personnel. C'est la seule la combattante. Donc là, j'ai plus rien, évidemment. Mode 2, on va mettre de l'Hammerhead. Voilà. Là, c'est ce que j'ai toujours pas, évidemment. Anti-personnel, tout pas, allez, vas-y. Et là. Des accus. C'est quoi ça? Seuil physique plus 15%. Ah! Alors, c'est, les armures de combat dotées d'émetteurs micro-gravimétriques voilà, en masse augmentée artificiellement, ce qui croit leur protection contre les blasts pulmonaires et les explosions. Ah, c'est pas mal! Ah non, c'était pas du tout ça en fait. Ce complément mécanique améliore la force physique de l'utilisateur du très violent. Ah, plus 15, ouais. Et la résistance aux toxines. Je vais te mettre servomoteur. Voilà. Ensuite, Garus. Hein ? Je peux aller jusqu'au bout ? Ah si, je suis jusqu'au bout. Garus, c'est le même. Donc là, évidemment, j'ai rien. Chimique, allez. Tu vas avoir du phasique maintenant. Là, j'ai rien pour toi. Là, j'ai rien pour toi. Je crois. Ouais. Tac, là, évidemment. Il... Ah, techno-régénération. Tu fais la technique, toi ? Je ne sais plus. Recharge médicale. Oh, ouais, non, je vais te laisser avec la recharge médicale. Mais là, c'est trop lourd pour toi. Nonobstant, tu vas faire quoi ? Les atténuateurs. Tu vas aller aux atténuateurs de toi. Voilà. Et on va faire... Je vais pas me faire chier, tout le reste va être... Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ? On m'a demandé de mettre tous mes produits à votre disposition. Montrez-moi ce que vous avez envie. Avec plaisir. Voilà. Alors, vente. J'ai tout vendu, d'accord. Super. Bon, j'ai pas gagné beaucoup de sous. C'est pas grave. Alors, il y avait plusieurs options, évidemment. Il y avait l'option de... C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver ? Oui. On pouvait tout mettre en omnigel. On sort plus. Question personnelle. Qu'est-ce que vous faites ici ? Moi, je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les guettes attaquent. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous avez l'air de surveiller quelque chose. Non. Enfin, si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je me remette, d'ailleurs. Faidan m'a demandé un rapport sur... Bon, tout va bien ? Dites-moi un peu plus et je pourrais peut-être vous aider. Non, merci. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'aide. Tôt ou tard, ils vont le reconstruire, ce poste. Cette colonie va survivre. Nous aurons bientôt toute la nourriture dont nous avons besoin. Alors, il y a quelque chose ici. Évidemment, c'est derrière. Est-ce que je peux... Oui. Ah, mais c'est de là d'où on vient. Oui. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. On va le refaire, question personnelle. Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'exogénie, et puis tout a changé. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite. D'accord. Ensuite, bah les guettes. Qu'est-ce que vous savez sur les guettes ? Qu'est-ce qu'ils valent ? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Demandez directement à Exogénie si vous voulez des réponses. D'accord. Pourquoi ce ton ? Je vous ai fait quelque chose ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas ? J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les guettes, je parie. Même pas. Je suis ici parce qu'on m'a dit de venir là. Enfin, plus ou moins quand même. La colonie. Parlez-moi de Zeus Hope. J'ai pas grand-chose à dire.
Vous devriez plutôt en parler à Faidan. D'accord. Et l'exogénie ? Qu'est-ce que vous savez sur exogénie ? Pas grand-chose. Je m'occupais de la sécurité, rien de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils pensaient trouver des artefacts sur cette planète. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Ils aident les colons à s'établir et en échange, ils récupèrent tous les trésors enfouis. Oui. Ça casse un peu le mythe du pionnier, hein ? Bah, ouais, quand même. Ok, bah écoute, autre chose à me dire ou pas ? Non. Écoute, je te remercie, salut. Au revoir. On va parler à ton pote. À Faidan, voilà. Commandant, d'étranges comportements. Certains colons se comportent bizarrement. Nous sommes une petite communauté, commandant. La plupart d'entre nous viennent de perdre des êtres chers. Oui. Nous ne sommes pas des soldats. Personne ne nous a jamais appris à faire face aux horreurs de la guerre. Cette colonie est notre foyer. Les guettes viennent de détruire tous nos biens les plus chers sous nos yeux impuissants. Ne nous jugez pas trop sévèrement. Bah écoute, la base guette. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie, et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Ok. Réparation. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Vous nous avez ôté une énorme épine du pied en détruisant ce transmetteur. Mais il faut encore parer à des besoins plus terre-à-terre. La nourriture, l'eau et l'électricité notamment. Ouais. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Ben... Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. La pénurie d'eau. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau ? Macha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. Ouais, mais c'est une connasse. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance. On va retourner voir Macha Doyle. Mais bon, elle m'en... par la vache. Elle me saoule, Macha. Dis-moi comment je peux t'aider, je me souviens plus ce qu'il faut faire. Et tiens d'ailleurs dans les quêtes. Ah bah voilà. Localiser les valves. Explorer les tunnels à la recherche des valves de canalisation. Ah il m'en manque une, c'est pour ça. D'accord. Ok, pardon. Bon bah on va refaire le tour. Normalement les guettes, on aurait pu enlever des masses. Il va falloir trouver quoi. Ah, puis ça se trouve, vous l'avez vu. Et moi, non. Ouais. Chargement. Bon, on va fouiller, hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est plus calme, hein. Il n'y a plus l'alpha, déjà. C'est cadeau. Voilà, chargement, c'est cool. Alors oui, j'ai reçu mon nouvel ordinateur, qu'on parlait la dernière fois. Voilà, pour ceux qui suivent que cette série-là, évidemment. Parce que je l'ai dit sur les autres, mais... Je l'ai enfin reçu, et c'est super agréable. Alors déjà, rien que pour moi, pour le temps d'encodage, je passe de 3 heures à 25 minutes. Et puis, ben, ensuite, pour vous, pour les graphismes, c'est beaucoup plus joli. C'est plus fluide. Vache. Alors, y a pas une valve par là ? Si, il y en a une quelque part là. Là, donc, si je rentre et je vais juste là, est-ce que je peux aller par là ? À gauche. Ben là, voilà. Ah bah voilà. Et là, j'ai carrément manqué. Apparemment, activé le système, commandant. La vache. Oh la vache. Bah, j'ai complètement merdé avec mon stuff. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Dernière sauvegarde. J'y sais pas. Oh non. Ok. Bon, de toute façon, on sait où aller. Oh la vache, je reviens de si loin à chaque fois. Bon, F1. F2. C'est où, c'est F3.
F4, ça c'est le corche pour tirer avec. Donc F1 en fait, j'utilise vraiment F1. Voilà. Ah, la dernière fois j'étais pas assez loin, c'est pour ça, d'accord. J'ai pris la même route ou pas du tout? J'ai pas du tout pris la même route. Oh putain, c'est quoi ce délire, sérieux? Comment j'ai réussi à me perdre? Ah ben oui, je suis carrément en train de rentrer en fait. Bon, je vous fais une ellipse. Qu'est-ce que j'arrive sans zone, parce que ça va être chiant, ça. Ah. Vache, ils sont durs à battre, hein. Bon, allez, on fait ça. On fait ça. Oh la vache. Ah merde. Voilà. Et ben voilà. Oh, putain, j'ai mangé. Ok, normalement, il faudrait que je prenne du soin. Je vais sauvegarder, hein, déjà. Ah, mais oui, ça c'est pour il. C'est lequel pour il? C'est 5. C'est 5, je crois, pour il. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander, je l'ai pas ouvert le truc. Voilà. Et on va continuer quand même un petit peu. La dernière valve va apparemment activer le système, commandant. Ok, super. On va continuer un petit peu puisqu'on l'avait pas visité jusque là. Oh d'ailleurs, il y a des connards. Sérieux, il y a des connards et toi t'es là. Un bon conseil, n'allez pas par là. T'es qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Rien de bien. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai senti passer, celle-là. Bien essayé. On le dit. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Le maître fouette l'esclave, c'est tout. Ça me rappelle que je suis toujours en vie. Vous êtes là pour les guettes, c'est ça? Vous n'êtes pas le seul à vous y intéresser. Ouais, explique-toi, ouais. Qui d'autre s'intéresse aux guettes? Ils ne s'y intéressent pas. Ils veulent les détruire. Ils sont une épine dans le flanc du... Ils essayent d'atteindre le... Mais t'es taré. On ne peut rien faire pour lui. Allons-nous-en. Je peux vous aider, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez de l'aide? De l'aide? Non. Non. Personne ne peut rien pour moi. Mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout. En luttant? En luttant contre quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces. Plus je me débats... Ah! Trop tard. Voilà de la compagnie. Demandez à Faidan. Parlez-lui et... Ah! Attention! R. Oh, ça doit pas être mal ça. D'accord, bon ça sert à rien. Parce que ça pète pas ça en fait. Ça met juste 3 heures à péter. C'est de la daube. Donc maintenant. Non! Pas question! Je refuse! Ouais. Il y a un moment ça va être chiant. Hein. Tu ne t'ouvres pas toi. D'accord. Toi non plus, il n'y a rien de ce côté-là. Bon, du coup, le demi-tour, est-ce qu'on va se refaire aggro? Ouais, je sauvegarde un peu au maximum. Hein. D'ailleurs, on reste combien de temps? Ah oui, j'ai même pas lancé le truc, tiens, c'est... Ok, ouais, bon, on va redémarrer, on doit être sur la fin. Bon, je rallonge de 4 minutes le projet, du coup. Enfin, le projet. C'est pas du tout le projet que je voulais dire.
la vidéo pour cet épisode-là. Voilà. Mais c'est ça qui est inconvénient avec Mass Effect, c'est que c'est un peu brouillon, on ne sait pas où on doit aller. Voilà. En tout cas, je sais les quêtes à rendre. C'est la prochaine. Bon, pour l'instant, on ne se fait pas saillir, ça, ça va. Donc, faut que j'aille voir Fifan. Fifan, faut que j'aille le voir. C'était par là, peut-être, je ne sais plus. Bon, ça doit être ça. Allez, Shepard. Putain, qu'est-ce que c'est? Oh, la route constable à chaque fois, c'est chiant. Puis en plus, on est revenu juste pour faire un petit truc, quoi. Mais bon, voilà, il est pas vu au début. Hein. Tant pis. Ah. Ah, il fonctionne! Tiens, ah bah oui, je lui ai filé l'accumulateur! Ah putain. Ah, j'aime pas les chargements de ce côté-là par contre. J'allais voir jusqu'où il va l'accumulateur après. Bon, toi, Faydan, voilà. Commandant, l'homme dans les tunnels. Pour vous, on a croisé un homme qui vit dans les tunnels. C'est l'un des vôtres? Ce doit être Yann, oui. Il est très malade. Tu peux le dire. Malade, le mot est faible. Tu peux le dire. Il n'est plus le même depuis l'attaque. Nous avons essayé de l'aider, mais il refusait de nous écouter. Je ne peux aider les gens contre leur volonté, commandant. Soignez-le. Vous avez des médicaments, non? Vous pourriez le soigner. Ce n'est pas si simple. Yann était un brave homme, et si je pouvais le ramener à nous, je le ferais. Je vous en prie, commandant. Parlons d'autre chose. D'accord, on ne sert à rien. Les réparations. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de l'eau? Vous nous avez ôté une énorme épine du pied en détruisant ce transmetteur. Oui, ça va. Mais il faut encore parer à des besoins plus terre à terre. La nourriture, l'eau et l'électricité notamment. Ok. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Ok. Je reviendrai quand j'en saurai. Ouais, bonne chance, commandant. Il faut que j'aille voir par là. Je commence à me repérer. Oh, j'ai jamais fait gaffe qu'on pouvait voir au-dessus. Pénurie d'eau. C'est toi. Merci d'avoir récupéré ces accus. C'est pas toi, c'est toi. L'eau a été rétablie. C'est grâce à vous, j'imagine. Bah ouais. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes et à reprendre le développement de notre colonie. Je suis occupé de pas mal de guettes, quoi. Quelques crédits pour vous dédommager. Merci. Merci, commandant. Bon. Voilà. Je préfère que tu me parles comme ça. J'aimais pas trop ce ton condescendant. Donc voilà, tout a été remis dans l'ordre pour toi. 15 minutes, je suis... Waouh, d'accord. Je suis en train de... parce que j'ai mon écran à côté. Commandant, puis-je faire pour vous? En savoir plus, les réparations. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche? Vous nous avez ôté une énorme épine du pied en détruisant ce transmetteur. Ouais, ça je le sais. Mais il faut encore parer à d'accord. des besoins. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Ok, d'accord. J'aimerais qu'on parle de Zeus Hope et de Pharos en général. Bien sûr, commandant. Bon, bah, l'homme dans les tunnels. On a croisé un homme qui vit dans les tunnels. Okay. Ce doit être Yann. Ouais. Oui. Il est très malade. En savoir plus, d'accord. On s'en fout, colonie. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte. Je crois qu'on l'a déjà vu, ça. Les affaires coloniales estimaient que nous... Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable okay. sérénité de cet endroit. Combien d'habitants? Jamais rien ressenti de tel. Quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zeus Hope. La Normandie n'est pas très grand, mais il pourrait contenir tout le monde. C'est notre terre. Les chasseurs guettes sont trop dangereux. Voilà, c'est notre... Nous ne retrouverons un tel potentiel okay, de croissance. Je reviendrai. Bonne chance. Et toi, qu'est-ce que tu as à me dire maintenant? Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Ouais, je sais. La colonie. Parlez-moi de Zeus Hope. J'ai pas grand-chose à dire. Au revoir. D'accord, je sais. Bon, c'est pas grave. Les quêtes maintenant. Enquêter sur la quête sur le système Amazon. Voilà. Terra Incognita, prise d'otage. Aborder le transporteur. Trouver le transporteur dans le système Farinata.
Secteur Hermès Gaba à Bordel, puis parvenu jusqu'au biotique. Terra, retrouver les scientifiques. Donc on va aller enquêter sur la cargaison sur le système Amazon et à Terra Incognita. Ok, donc on redécolle, on repart en Normandie. Moi je donne rendez-vous dans le Normandie au prochain épisode, l'épisode 14. Voilà, je vais faire la sauvegarde classique puisque j'ai décalé les sauvegardes. Et moi je vous donne rendez-vous cet après-midi pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde. Pousse.